Bien le bonjour, c'est Mr Pingu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Metal Hellsinger. On va tout de suite démarrer. Et on va voir ce qu'il donne ce petit jeu sorti du coup aujourd'hui sur le Game Pass. Voyons voir les réglages de luminosité. C'est bon. Difficulté Book, Harpie et Agneau. Alors, on va partir en normal hein. Allez. On lance direct. Hell of a night for a story, ain't it? Well, sit her down. Look at them stars. And I'll tell you what. South heaven. Way, way south now. There was this soul. Special, I mean to say. This soul came to hell just like a tune comes into your head. Nobody knew why or where from. All they knew, she had a score to settle. Now, demons not being the most creative types, they just called her the unknown. But hell is hell. Down there, they take away what you love most. Took her voice. For now, what you need to know is she won't get back. Now this here's the Red Judge, ruler of the hells, the devil with a capital D. The judge personally saw to the unknown. And just to make sure the unknown didn't cause any more ruckus, the judge locked her up tight with unbreakable magics. No way out. She was trapped. And she was down there a long, long time, just getting madder. Would've stayed there forever if I hadn't called. You see, the thing is, just because the unknown couldn't break those magic gates herself, don't mean they can't be broken. And just because Judge stole her voice, don't mean she'd never sing again. Donc apparemment, on incarne l'inconnu, qui se fait voler sa voix en arrivant aux enfers, et il veut simplement la récupérer. Et pour ça, il va casser des gueules. Don't know why I'm so happy remembering it. Her coming to get me and all, but I am. It's like a storm coming from far, far away. I felt it in the air. Ok bah c'est parti. Oulala, attendez deux petites secondes, regardez les réglages. Oulala, c'est un peu violent. Bon, quand vous doutez, faut taper en rythme avec les flèches qui apparaissent. J'ai fait le combo, ce qui augmente les voix normalement. Un peu trop tôt. Mal au début quand même. Hein. Tant de choper de rythme, hein, après ça ira très bien. On les a se fait en appuyant sur. Sounds like love at first sight, don't it?
You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music, and my voice is her voice. Enfin une vraie arme. On a enfin la musique. On peut la faire monter la musique directement le compteur en tirant dans le vide, c'est assez cool. X16 direct. Donc vous voyez, en fait, la musique se débloque au fur et à mesure, en fait, on monte dans le multiplicateur. À x2 on entend un petit peu, et jusqu'à x16 on entend tout, y compris les voix. Et on peut garder le multiplicateur en utilisant la tête, apparemment. La faute de guerre. Ok, on peut changer d'arme entre du coup le couteau à beurre et la tête. On va remonter à x16 max. Pour l'instant c'est assez cool, en fait, juste pour apprendre les mécaniques. Hein. Faut s'opérer le rythme, je l'ai perdu là. Ah. Ça va, la musique, elle suit bien. C'est bon. Bien sûr, quand on tape en rythme, on a les dégâts améliorés. Là, je l'ai plus du tout. Ouais, je préfère la tête. Hein. C'est pas photo. Hein. C'est un rythme un peu différent, mais je préfère. Donc, les ICL sont exprimés dans le menu pause. Poor bastards. That's destiny for you. You can't unlock an anguish gate without breaking a few monsters. Ça, c'était le tuto, c'est dans la démo, on connaît. Et donc chaque arme apparemment aura son rythme. Là, entre le couteau à beurre et le crâne, il y avait une petite différence. The first hell was Vogue, full of cold and ice and despair. Unknown didn't care though. She had her own plan. Ce niveau-là était pas dans la démo. On va monter un peu le multiplicateur, tranquillou. On arrivait au mob. On a des dégâts. On peut avoir une ultime en appuyant sur le clic gauche. Ok. Ok, bah pourquoi pas, ça les gèle et après ça les fait péter. C'est au vert, c'est de la vie, on retient. Cette merde.
Fusil à pompe. Ah là, c'est tous les deux. Oh, c'est un enfer. Oh, je déteste. Et même les rechargements, faut les faire en rythme. C'est pas de rythme du tout. Je parle pas trop, je voulais faire découvrir la musique. Bien, c'est dur à se concentrer sur le rythme et sur les mobs en même temps.
pensais qu'il y avait un truc. Oui, ça aussi. Petit coup de super qui fait bien. J'ai pu attraper le rythme, voilà, c'est bon. Et quand t'as perdu le rythme, c'est un enfer pour y revenir. Ah, il faut une concentration de fou. Donc pour les ultis, on en a 3 pour l'instant. On a le crâne qui fait des éclairs et qui en même temps paralyse les ennemis pour les faire exploser. On a le pompe qui fait un gros coup de pompe simplement. Et on a le couteau à beurre qui lui devient fou. En fait, littéralement, tu peux taper autant de fois que tu veux. Ok. Ok, c'est du Doom. Ah. Oh, c'est partout là. Prends des tirs dans tous les sens, tu perds le rythme. Ah, ça l'a. Faut mixer tout, c'est un enfer. Je vais reprendre le x16 pour remonter un petit peu. C'est un peu tendu quand même à tenir le rythme, hein. Vraiment, si vous pouvez le tenter de votre côté, le jeu, essayez, mais c'est vraiment dur. À part sur un combat de boss. Part en bullet, elle,
m'attendais pas à ça. Il n'y a rien. Un peu de temps cette fois là, mais bon, j'ai pas envie d'aller tout droit. Ça marche pas, super. Il y a trois mobs. J'ai un petit buff à la droite là qui s'affiche quand je fais une exécution, je comprends pas ce que c'est. J'arrive à en faire une. Ah, j'ai plus de rythme. Voilà. Ah, j'aime pas les, j'aime pas le pompe et j'aime pas le hubber. On va le faire comme ça, hein. Oh le bullet L. Oh le bullet L. Oh, oh putain. C'est quoi cet enfer? C'est quoi cet enfer? Bah c'est le cas de le dire en fait. Ah, ça lui a fait mal le dernier coup. On est à Stygia. Vaincu l'apparence du juge rouge dans Vok. Bon, on prend, hein. Nouveau supplice. Venez à bout du boss, vous avez accès à nouveau supplice, meurtre sur le beat, arsenal mystère et vol de relique. Terminé pour gagner les sauts. Ça fait penser un peu au... au défi dans Doom pour avoir des reliques. On a obtenu Perséphone, du coup tire une nuée de balles sur vos ennemis. Si le tir est en rythme, plusieurs ennemis seront touchés à la fois. Faire de l'efficacité avec la distance. Un fusil à pompe quoi. Obtenu le bonus intarissable Fury pour ralentir la vitesse à laquelle descend votre Fury. Cool, ça c'est bien. Ah, j'ai pris pas mal de dégâts. C'était un peu lent. Bon. 5 millions, c'est pas mal. « 1200.
Bon, sur ce score un peu moisi, mais quand même pas dégueu, c'est une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. On se retrouve dans le prochain épisode. Bye!